Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous reprends vite fait pour vous tourner une petite séquence. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir vloguer puisque là, je vous reprends assez tard dans la semaine puisqu'on est jeudi 31 octobre. Donc la semaine est déjà bien écoulée et on arrive au grand week-end. Donc du coup, je ne sais pas si je pourrais filmer le week-end. Mais c'est pas grave, j'ouvrirai le vlog maintenant. Donc je vous reprends dans mon bureau qui est un petit peu en bazar. Je voulais vous faire un bureau tour, mais j'ai rien rangé. Donc du coup, je me suis dit que je vous ferai ça un peu plus tard parce que c'est un petit peu le bordel partout. Et voilà, comme j'ai pas pu vlogger plus tôt dans la semaine parce que je suis complètement HS, hein, donc j'ai pas pu sortir mon téléphone plus tôt. Donc là, je suis toute seule, donc j'en profite pour au moins ouvrir le vlog. Après, je vous garantis pas qu'il sera posté lundi. On verra. On verra ce que je peux faire dans le week-end. Du coup, je vous ai quitté avec le colo Midnight Mascarade. Donc, je n'ai pas repris depuis le dernier vlog. Mais j'ai quand même fait un colo mystère. Voilà, j'ai fait mon duo avec Mylène. Et puis, du coup, on va voir que je fasse ce duo avec Christelle. Au moins, finir le duo avec Christelle. Comme ça, j'aurais fait mes duos et j'aurais rien fait de plus ce mois-ci. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc j'espère pouvoir le faire dans le week-end. Sinon, j'ai ressorti mon DP. Voilà, ça fait quelques temps, ça me trotte dans la tête. J'avais très envie de reprendre du DP. Du coup, j'ai ressorti un petit peu tout ça. Je vais vous montrer. Je vais vous prendre avec les DP, ce sera plus facile pour en parler en même temps. Donc je vous reprends tout de suite. Du coup, je vous retrouve. Donc là, cette fois, on est dans ma chambre. Oui, j'ai des loisirs un petit peu partout dans la maison. C'est le bazar. Mon bureau est beaucoup trop petit pour tout stocker. Donc mes DP sont dans ma chambre, dans cette superbe chemise d'artiste, bien sûr. Et du coup, j'avais très, 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 très envie de faire cette petite toile. Oh, attendez, hop. Voilà. J'avais très envie de faire cette toile chat. Ça fait déjà au moins 2 ans qu'elle m'attend. Celle-ci et puis la chaumière qui est là. Bon, je sais pas si ça rend bien en filmant, mais en vrai, elles sont canonissimes. Et du coup, j'arrive pas à la démarrer puisque je n'ai toujours pas fini le DP de ma grande. Je sais pas si vous vous rappelez la grande, grande toile que je devais finir l'année dernière. Et du coup, j'ai toujours pas fini. Donc, je vais vous la montrer juste après, hein, mais je voulais vous montrer. Voilà, donc là j'ai un DP de ma fille. Donc ça, s'il n'est pas fini, c'est pas très grave. Donc je vous ai dit, j'avais très envie de faire le chat. J'ai une mini toile aussi là qui est à ma fille. J'ai une très jolie. Elle est belle cette toile. En plus, je sais qu'elle serait hyper rapide à faire, mais j'ai pas envie de la commencer tout de suite. J'ai la chaumière. J'ai un joli DP cookie. Celui-ci, j'aimais bien. À la base, c'était pour ma fille parce qu'elle le voulait aussi, puis elle l'a jamais fait. Donc, c'est moi qui vais le faire. Et la belle et le clochard, qui est aussi hyper canon. Et c'est une grande, grande toile. Hop, alors, même pas dans le cadre. Donc, voilà les toiles qui m'attendent depuis maintenant au moins 2 ans. Si c'est pas plus, parce que j'ai commencé le DP en 2020, lors du confinement. J'ai brassé pas mal de toiles et puis voilà. Et après, on peut pas tout faire. Donc voilà, donc j'ai ressorti mes DP et je vais montrer sur quelle toile je suis et j'espère la finir rapidement pour pouvoir démarrer ce DP-chat. Et maintenant, je vous reprends donc dans ma salle à manger puisque la toile est immense et il n'y a que ici que je peux la faire. Donc je sais pas si vous vous rappelez cette toile. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, peut-être que vous la reconnaîtrez. Elle est canon. Elle est canon cette toile, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée à faire, puisque les perles sont mal taillées. Du coup, c'est une catastrophe. J'ai plein de défauts à ce niveau-là. J'en perds pas mal parce qu'elle pop tout le temps. Du coup, j'ai des trous partout. Et donc, j'arrive pas à la finir. Mais tant qu'elle n'est pas finie, j'arrive pas à démarrer une autre toile. Donc, c'est hyper compliqué. Donc là, comme j'ai très envie de faire du DP, j'ai sorti quand même. Voilà, et j'ai recommencé un petit bout hier soir. Voilà. Et je prends toujours autant de plaisir quand même à coller les perles, hein, parce que j'adore faire le DP. Je trouve ça hyper relaxant, hyper
satisfaisant de coller toutes ces perles. Mais voilà, il faut absolument que je finisse cette toile pour démarrer une autre toile parce que sinon j'y arriverai pas. J'arrive pas à avoir plusieurs toiles entamées en même temps. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, c'est comme le colo. Pendant un temps, je n'arrivais pas à faire plusieurs colos en même temps. Maintenant, je commence un peu à lâcher prise et je fais un peu les colos au gré de mes envies. Mais le DP, pas pour l'instant, non. Le DP, j'arrive pas à faire plusieurs toiles en même temps. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette fois, je vais tenir le bon bout. Et donc voilà, je vais poursuivre ça un peu le week-end, je pense. Et puis on verra. On verra par la suite ce que ça donne. Bon, bah sur ce, je vous laisse et j'essaierai de vous filmer plusieurs séquences dans le week-end pour pouvoir vous poster la vidéo lundi. Sinon, je prolongerai le vlog la semaine prochaine. Voilà. De toute façon, je ne peux pas faire. Je vis un petit peu au jour le jour. Voilà. Donc, bah, tout de suite pour vous. Vlog, alors je vous reprends bien plus tard parce qu'aujourd'hui on est le dimanche 10 novembre et du coup comme c'est compliqué pour moi de filmer en ce moment, voilà, ma santé en a pris un coup, j'étais aux urgences cette semaine, donc j'ai du mal de me tenir au rythme du colo et pour filmer ce vlog, donc je me suis dit que j'allais vous filmer plusieurs séquences et que je vous posterai la vidéo quand elle sera postable, puisque je vais pas vous mettre une vidéo de 5-10 minutes, ça sert strictement à rien. Donc ce mois-ci, il y aura très peu de vidéos sur ma chaîne. Voilà, je fais comme je peux, mais bon, je pense que vous serez compréhensifs. Donc voilà, donc je vous reprends avec le duo de Christelle. Je suis contente, j'ai enfin réussi à le faire. Donc c'est le duo du mois d'octobre.
Donc, je suis contente, il est fini, il est super joli, j'adore, il est trop trop beau, il a été super agréable à faire, et, franchement les couleurs étaient sympas. Voilà, donc je suis contente de l'avoir fait. Et donc voilà, pour niveau colo, donc comme je vous l'ai dit, depuis ça, je n'ai pas colorié. Je crois que le dernier colorage que j'ai fait, d'ailleurs, c'était le duo avec Christelle. Donc ensuite, j'ai fait le duo avec... Non, je me gourre. La dernière fois, donc dans le début de ce vlog, il me semble que vous avez vu le duo avec Mylène. Là, c'est le duo avec Christelle. Voilà, le seul colo que j'ai fait depuis quelques temps. Et donc, pour ma pack d'octobre, il n'y a rien de fait, presque rien du coup, puisque j'ai fini Le Monde Sauvage aujourd'hui, donc je l'ai fini en novembre. Et bah, pour novembre, je ne ferai pas de pack, puisque, comme vous voyez, hein, j'ai du mal de suivre. Donc, je me suis dit que comme j'ai pas mal de colos en cours, pas mal de contours de fait, voilà, par exemple, j'ai celui-ci qui est commencé, hop, j'ai des contours qui sont faits là. Je dois en avoir dans Looney Tunes aussi, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà. Où est-ce que j'en ai fait pas mal aussi? Je ne me rappelle plus. Bah, Fantastique. Vu que j'avais noté pour octobre, je crois que j'ai encore des contours de fées. Si je retrouve ma page. Page 16. J'ai noté page 16 alors que j'ai rien fait. Il me semblait que j'avais fait des contours dans celui-ci. Ou non, c'est que j'avais envie de faire un nouveau colo malgré les contours que j'avais fait, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai des contours, donc je pense que je vais reprendre celui-ci plutôt que celui que j'avais prévu. Donc vous l'aurez compris, le mois de novembre va être consacré aux contours. Voilà, comme ça me permettra de me remettre à jour. Le portrait, c'est pareil. Je crois que j'ai plein de contours de fées et que je n'ai pas mis en couleur. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une colocopine qui m'a écrit. Ça doit être Tania, il me semble. Il me semble que c'est toi pour faire un duo dans le portrait. Du coup, je vais pouvoir le feuilleter. Et comme j'ai pas mal de contours de fées, je vais choisir une page où les contours seront déjà faits. Voilà, et puis ben, je t'enverrai le numéro de la page et tu me diras si tu es OK pour le faire avec moi. Voilà pour ça, donc ça me fait déjà pas mal de colos à faire. Donc voilà, donc novembre, on va faire contour, on va faire non, mise en couleur de tous les contours qui ont été faits. Je compte bien avancer. Alors, est-ce que là-dedans j'en ai un commencé? Non, là c'était pas commencé. Est-ce que là-dedans c'était dans celui-ci? Non, non plus. Comme vous pouvez voir, je suis hyper bien organisée. Hein, crois que c'est celui-ci. Voilà, celui qui traîne depuis. Pouf, ça va faire un an celui-ci. Hein, plus les mois passent, plus. Hein, vous voyez toujours le même qui n'avance pas. Donc je vais essayer de faire celui-ci. Mon Midnight Mascarade, ou je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Il est caché, je pense. Ah, je vais le trouver. J'ai mis sous ma pile de livres. Et objectif, finir celui-ci. Voilà. Et en soi, il ne me reste plus grand-chose à faire. Franchement, les cheveux, ça va être vite fait parce que c'est un truc que je maîtrise, donc ça va aller. Le chat va être un peu plus compliqué. Et peut-être ces trucs-là qui est autour, je ne sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais l'aborder. Après, le bijou, je vais repartir sur les mêmes couleurs, je pense. Donc celui-ci, je pense qu'il va être, il va pas être très très compliqué quand même à finir, mais faut le faire. Voilà. Donc ce qui me fait deux colos en cours non mystère et contour. Voilà. Donc voilà mon programme de novembre. Après bien sûr, je me braque pas. Hein. Si j'ai envie de faire autre chose que ce que j'ai prévu, je ferai bien évidemment. Et après, c'est pareil, tout dépend de mon état de santé, si je peux venir m'installer dans mon bureau ou pas. Voilà, donc le mois de novembre, on va prendre comme il vient, le temps de bien me remettre sur pied. Et puis voilà, mais j'espère retrouver ce petit rythme de colo que j'avais depuis quelques mois, qui n'a pas duré longtemps du coup. Ma foi, c'est comme ça. Hein. Le plus dur, quand on n'est pas enfant, c'est de l'accepter en fait.
accepter le nouveau rythme qu'on doit se donner. C'est pas facile, hein. C'est frustrant de te bloquer tout le temps. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ben voilà pour le mois de novembre, ce que je vous propose. Donc je suis désolée de ne pas vous sortir des vidéos toutes les semaines, mais j'espère que ça revient. Voilà, donc sur ce, je vous laisse sur cette petite séquence. Je vous reprendrai avec un colo. Voilà, donc à tout de suite pour vous. Hello, je vous reprends, on est lundi 11 novembre, du coup c'est férié. Donc je vais pouvoir faire un peu de colo aujourd'hui, comme ça va être une journée tranquillou. Donc je m'installe dans mon bureau, puis j'avancerai ce que je peux avancer. Et donc là, j'ai sorti mon fantastique, voilà, de Jérémy Mariez. Vous savez que j'adore celui-ci, et ça y est, j'ai attaqué le colo d'il y a 2 mois de fait, je crois. J'avais fait le contour il y a au moins 2 mois. Et moi je suis contente parce que j'avance plutôt bien. Et le papier est super agréable dans celui-là. Ouais, j'aime bien. Après, j'ai changé quelques couleurs parce que je ne trouvais pas celle-ci. Donc, j'ai mis quelque chose de plutôt bleu, mais je me dis que ça va bien passer dans le colo. Voilà, et après, il va me rester les teintes peau à trouver. Et comme d'habitude, c'est toujours hyper compliqué. Mais voilà, je pense que je vais faire des essais parce que j'aimerais bien réussir à faire une jolie peau. Et c'est vrai qu'avec les feutres, c'est de plus en plus compliqué. Bon, en général, j'utilise mes World là, mais ceux-là. Mais la mine est très très grosse, donc là, ça fait toujours pas mal de traces. Et là, j'ai pas trop envie de faire de traces, donc je vais voir ce que je vais trouver. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est toujours le bazar, puisque je ne range rien en ce moment, mais ça va. C'est pas trop trop pire. Voilà, j'ai mes carnets qui traînent. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai racheté des washi tape. Donc j'essaierai de faire un peu d'art journal. Après ce colo, peut-être. Je verrai bien selon mes envies. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous reprends plus tard.
Hello, je vous reprends pour vous montrer un peu l'avancée de mes loisirs. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait une page d'art journal. Et en ramassant, là, quand j'ai fermé mon carnet, j'étais en train de me dire que ça serait peut-être bien que je fasse une couverture. Donc, il va falloir que je me penche un peu sur la question pour faire une jolie couverture. Donc voilà, donc j'ai fait hop, une nouvelle page. On est toujours en ambiance automne. Voilà, voilà, j'aime beaucoup. J'ai fait quelque chose de très très simple. Hein, mais voilà, moi je me prends pas trop la tête. J'aime beaucoup superposer les papiers. Donc c'est ce que je fais. Puis après, je complète avec quelques décorations. Voilà, j'ai acheté donc des nouveaux washi que j'aime trop. Hop, je vais vous montrer un peu que j'ai acheté. Hop, je suis retournée à Action, dans un autre Action du coup, parce qu'il y avait, à côté de chez moi, il n'y avait pas tout ça. Et j'en ai trouvé des trop trop jolis. Alors, je suis désolée, il y a des problèmes de lumière. J'ai ma lampe qui fait des siennes. Alors, attendez, je vais mettre pause et je vous reprends. Voilà, j'espère que ma lampe ne va pas se couper de nouveau. Donc, je disais que j'avais pris, hop, quelque chose d'assez automnal. J'avais trouvé un kit automnal. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Et du coup, j'ai tout mis dans ce joli petit panier que j'ai trouvé également à Action. J'aime trop ces paniers, je trouve ça trop mignon. Et voilà, donc j'ai racheté pas mal de washi et j'ai tout mis dedans. Comme ça sera plus pratique parce que je mettais dans les tiroirs, mais c'est moins pratique. Donc d'ailleurs, il faudra que je mette ceux que j'ai rangés dedans avec, ce sera beaucoup mieux pour les utiliser. Voilà, j'y ai arrivé, hop, et j'ai mis ma petite souris de colle. Voilà pour l'art journal. Et du coup, hop, j'ai terminé mon colo. Hop, dans le fantastique de Jérémy Mariez. Hop. Est-ce qu'on se rappelle la page? Oui, 77. Voilà. Bon, pour les couleurs peau, c'est pas trop ce que je voulais, mais ma foi, ça rend pas trop mal. Et voilà, il est très joli. Ce colo est vraiment très très beau. Donc je suis contente. Un plus de terminé. Donc voilà pour les avancées de mes loisirs. Puis ben, on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Hello, je vous prends pour vous montrer la suite donc de mes colos. Et comme vous pouvez voir, je suis repartie sur une double page. Donc là, je suis actuellement dans le tome 11 et c'est un colo qui avance bah, doucement mais sûrement. Les contours étaient faits, il me reste que la mise en couleur, mais voilà, je fais élément par élément. Et ça prend beaucoup de temps et malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. En tout cas, ces derniers temps, comme vous le savez, je ne passe pas beaucoup de temps dans mon bureau à faire mes loisirs. Voilà, je fais comme je peux. Donc du coup, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui puisque je me rends compte que ça fait un petit moment que j'ai commencé à faire quelques rushs à droite à gauche. Donc je vais faire le montage et voir où ça en est et comme ça je vais pouvoir ouvrir un nouveau vlog et je vais essayer d'être plus régulière mais bon comme vous le savez ma santé me stoppe un petit peu dans tout ça donc je fais comme je peux. Je suis désolée de pas avoir posté du coup pendant 2 ou 3 lundis, je ne me rappelle plus, mais je ne vous oublie pas. Voilà, d'ailleurs même pour les commentaires, merci pour tous vos commentaires. Je vais reprendre le fil. Parce qu'il me semble que je n'ai pas répondu à tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Et puis voilà, donc bah, sur ce, je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, dans les commentaires également. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite de très bons colos. Ciao, ciao.